Jacques. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du jardin partagé? Alors, le jardin partagé, vous y êtes. C'est un espace de 5000 m² qui a été clôturé par la commune. Et sur les 5000 m², on en cultive effectivement environ 1500. En plus de tout ça, il y a tout un cercle de petits fruits, vous voyez, cassis, groseilles, etc., qu'on a planté et l'année dernière et cette année. Donc, tout cet espace-là, ça constitue le jardin partagé. Alors, comment il fonctionne le jardin? Alors, il fonctionne sous la forme du bénévolat spontané. Mmh. On s'entend pas. Il y a deux périodes dans la semaine où effectivement on se retrouve, on essaie de se retrouver tous, le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Il y a des jeunes qui viennent travailler ici? Alors, des jeunes, oui et non, c'est la plupart du temps les enfants des membres. Il y a aussi des ados qui viennent nous donner un coup de main pour un tas d'activités. Mmh. Oui, il y a des jeunes qui viennent, mais disons qu'en tant qu'adhérents, c'est que des gens, des adultes, on va dire. Qu'est-ce que vous cultivez alors dans le potager ici? Alors dans le potager ici, essentiellement des légumes, mais pour l'agrément c'est pareil, il y a aussi des cultures de fleurs qui d'ailleurs alternent avec les légumes. Alors là il y a des techniciens qui sont absolument parfaits, adorables et tout, et qui ont mis au point tout un système de culture avec la lune, avec les périodes de l'année, avec des légumes anciens, avec des tas de choses, et puis notamment le fait d'amener des graines bio, d'amener des tas de choses comme ça. Bon bah Jacques, merci beaucoup. Mais de rien. C'était super agréable. C'est gentil. Bon, et merci. Puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.